En fait, ça avait commencé vraiment avec le retrait de la loi El Khomri. On est genre le 400 mars ou un truc comme ça. L'idée, c'était ça. Moi, la seule solution apparente que je trouve, c'est repartir à l'an zéro. On se sert de toutes les erreurs commises pour arrêter de faire de la planète une poubelle. Putain. Voilà, aujourd'hui c'est comme si je pensais, tu sais, si t'étais gosse, que t'étais né en Somalie, un truc comme ça, y a pas à boire, y a pas à manger, y a rien. Tu vois le truc? Le pouvoir en place, tel que c'est fait, c'est de la merde, faut arrêter tout ça. On efface tout, on recommence. Comment dire ça? Mais l'ordre mondial, c'est des reptiliens ces gens-là. Tiens, moi je peux parler en tant que science, conscience et subconscience. Je voudrais mettre un peu au pouvoir tous les gens qui se préoccupent à long terme, pas qui se préoccupent juste de mettre dans leur poche à court terme. Parce qu'à vitesse lumière, on est déjà tous des gens. C'est déjà de la survie. On est déjà tous des revenants. Ah, c'est comme un point de restauration, un point de non-retour. C'est un paquet de fois qu'il est passé, mais bon. Tout leur machin radioactif. On peut pas laisser des trous du cul élus à 20% du peuple gouverner. C'est pas possible. Après là, c'est les législatives de mon cul. Hein. C'est les amis des amis. Putain, mais quand c'est que vous allez comprendre? Vous voulez vraiment attendre qu'il n'y ait vraiment plus d'eau potable? Que vraiment tous les glaciers ils aient fondu? Ne pas enlever les tonneaux de plutonium au fond de la mer, vous continuez les bouts rouges à la Wall Street. Je sais pas, moi, vous êtes tarés. Alors. Planète mongole, quoi. Planète Triso. Triso, l'exo. Ton. Et hop, c'est l'heure de mon exo-mille. Na. Ah, c'est l'heure du Stilnox. Putain, y'en a marre. En plus, là, je commence à criser, tu vois. Pas manger, pas boire, pas fumer. Pensez un peu à ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire, ceux qu'on bombarde tous les jours. Qui c'est qui vend les armes? Que l'histoire de l'homme, c'est que de la saloperie. On bâtit toujours sur de la barbarie. Les Indiens, ils étaient là, peinards, ils fumaient le calumet de la paix. Ils sont arrivés avec des fusils, ils ont buté tout le monde, ils ont fait les États-Unis. Celui-là de rêve américain. Et les croisades et tous les machins et tout, putain. Partout où l'homme est allé, il a foutu la merde. Vous ne croyez pas qu'il faut recommencer à zéro, là? Il faut bien faire quelque chose, quand même. Non? Allô la terre, allô cerveau, allô esprit.